Voilà un pays, Singapour. Ouais. Voilà un pays, Singapour. Ils ne vivent que du tourisme. Ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas le coltan, ils n'ont pas le platinium. Ah oui. Singapour, un pays que mon pays, le Cameroun, a aidé hier. À l'époque. Voilà ça. Voilà. On ne paye pas le visa, ça arrive à visa. Regardez comment les gens vivent. Ils ne vivent que du... Ils ne vivent que des hommes. Voilà, donc... Ils ne vivent que des hommes. Ils n'ont pas le pétrole, regardez. Le tourisme, voilà l'hôtel. L'hôtel en bateau. Voilà. Les gens sont au Cameroun. On ne parle que du doctorat sur les plateaux de télé. Voilà, le Messanga Nyamding. Docteur, professeur, mon œil. Les Onangini, docteur, ceci, cela. Docteur, tu as fait quoi? Les gens ont vu. Voilà ce qu'on dit qu'un docteur a fait. Voilà ce qu'on dit qu'un docteur a fait. Au Cameroun, tout le monde est docteur sur les plateaux de télé. Bande de voleurs. Un pays que tout un gouvernement est en prison. Le docteur, voilà la vie. Les gens s'épanouissent. Voilà. Donc, ayez tout le pétrole du monde entier. Pour ceux qui disent que si le Cameroun se divise là, certaines régions vont souffrir plus que les autres parce que les autres n'ont rien. Non, mon cher ami. Ceux-ci n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais ils sont riches. Ils sont riches. La richesse aujourd'hui, c'est les êtres humains. C'est la matière grise. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça la richesse d'un pays. C'est les hommes honnêtes. Voilà. Et tout le pétrole du monde, et tout le coltan du monde, le calcaire du monde, tout le calcium, tout, et tout. Et tous les faits du monde. Si vous êtes voleur, vous n'allez aller nulle part. Voilà. Parce que le voleur ne connaît pas conçu la route. Le voleur, c'est un malade. Son problème, c'est voler ce qu'il a pour aller manger avec les inconnus. Comme ce que nous, on vit au Cameroun. Regardez un pays, comment les gens vivent bien. Regardez le pays. Regardez, en voyant tout ça, tu n'as pas été en santé comment. Voilà un pays, ils sont sur l'eau. Ils sont sur l'eau. Le Cameroun les a aidés hier. Comme l'Indonésie. Le Cameroun a aidé de l'Indonésie en donnant les pépinières de palmiers. Voilà. Même chose comme la Malaisie qui est aujourd'hui premier producteur d'huile de palme du monde. Ah oui. Et que si le Cameroun se divise, certaines régions vont souffrir. Si le Cameroun se divise, c'est là où vous allez voir ceux qui sont travailleurs et ceux qui ne sont pas travailleurs. C'est pourquoi on demande la décentralisation. Ou le fédéralisme. Pourquoi on a peur du fédéralisme ou bien la décentralisation? C'est parce qu'on va voir les fesses des paresseux. C'est ça qui est la vérité. Voilà un pays. Ça arrive à visa. Venez découvrir Singapour. Bande de Sardinat. Elle parle fort. Oh. Aujourd'hui, on vous a dit que quoi? On vous a dit qu'aujourd'hui, on a besoin du pétrole pour vivre. Non, on a besoin des gens honnêtes. Aujourd'hui, on cultive sur l'eau. On cultive sur l'eau, voilà l'eau. On peut mettre le macabre et ça donne. Bah oui, on n'a pas besoin de la terre. Il y a des gens qui cultivent sur l'eau. Kadhafi a cultivé au désert. Combien de fois l'eau? Regardez un pays. Les gens honnêtes. Les gens honnêtes. Dans de voleurs comme ça là. Voleurs qui gouvernent un pays. Tant que vous êtes là. Avec la mentalité du vol là. Donnons même 100 ans au gouvernement, on ne peut rien faire. Mais s'il y a les gens honnêtes, en 10 ans tout change. Alors arrêtez d'aller prendre les exemples en Europe, patati patata aux États-Unis. Venez en Asie, vous allez voir. Voilà, nous avons eu un même départ. Notre départ, c'est au même moment. L'indépendance, parce qu'au même moment. Regardez-les aujourd'hui. Voilà, regardez-les aujourd'hui. Regardez-nous le Cameroun, regardez l'Afrique. Un match ici, tout le monde ouvre la bouche. Yeah. Singapour, regardez comment les gens vivent, regardez comment les gens s'épanouissent. Bande de Sardinat comme ça là. Le doctorat sur les plateaux de télévision. Je suis docteur, je suis le voleur, n'importe quoi. Allez, quand on nomme un ministre aujourd'hui, ça m'impressionne. Je vois un futur prisonnier devant moi. Quand on nomme un ministre camerounais, je vois un futur prisonnier
Donc moi, il ne m'intéresse même pas. Faites votre temps. Après bientôt, c'est la prison. Il n'y a plus pour Ndemso.